Alors bonjour, toujours ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que je vous avais présenté mais par écrit et j'ai réalisé qu'en vérité, il méritait beaucoup plus que ça. Donc, je vais vous en faire une présentation de visu, Ce que je sais de toi, de Éric Chacour. Alors, ce roman parle du destin d'un homme tracé d'avance par les siens. Pourtant, la liberté de vivre va surgir au hasard d'une rencontre qui deviendra passion, et ce, pour un autre homme si différent. Alors, le nouveau chemin est bien entendu impossible à suivre. Nous sommes dans cette société égyptienne des années 80, si codifiée, si étroite. Les femmes vivent dans le huis clos du non-dit. La mère gardienne toute puissante de la famille et de sa réputation, l'épouse fantôme, la sœur restée complice de son enfance, la bonne qui sait tout. Alors l'intrigue finement menée analyse avec une délicate pudeur les sentiments, le prix de l'éloignement et du renoncement. Alors c'est difficile de croire que Ce que je sais de toi est un premier roman, tant son auteur fait preuve d'une rare maîtrise, aussi bien sur le plan du style, de la narration, nous révélant un roman riche, foisonnant, envoûtant, bref, une totale réussite. Alors, j'ai pas lu tous les livres de la rentrée littéraire, c'est impossible, il en sort entre 400 et 500, mais mon petit doigt me dit que ce livre doit et va rencontrer son public. Et donc, je vous encourage à vous précipiter à la librairie pour prendre Ce que je sais de toi de Éric Chacour, qui est, comme je vous ai dit, une vraie, vraie, vraie réussite, un livre qui sort du lot. Et j'ai rien à ajouter, tout est dit. Et donc Ce que je sais de toi de Éric Jacquot. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation.